Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va continuer à faire du CSS et on s'attaque aujourd'hui à notre messagerie. Donc c'est-à-dire que la dernière fois sur les vidéos de CSS, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait justement refait plutôt le look de la page membre, donc pour les recherches ici des membres, et également aussi pour l'ajout. Enfin, quand je dis l'ajout, c'est l'ajout d'amis ou refuser les demandes d'amis plutôt. Et maintenant, ce que j'ai fait, c'est voilà la page message. Donc la page message, vous voyez, d'un seul coup, elle est vraiment beaucoup plus épurée par rapport à ce que vous avez auparavant. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis un peu basé, si vous voulez, sur des choses qui existaient. Donc voilà, j'ai pris, comme je vous l'avais montré, j'avais regardé un petit peu qu'est-ce qui existait, qu'est-ce qui n'existait pas. Et je me suis dit, bah voilà, pourquoi pas utiliser justement ici, enfin voilà, avoir un surlignage bleu. Donc nous, ce sera rouge parce que c'est toujours notre couleur qui domine, rouge. Avec ben voilà enfin, les journées etc. Et donc tout ça, ça a été fait. Donc si vous voyez, en fait voilà, maintenant vous avez bien du coup le nombre, enfin la personne, ce qui va raconter, dire en fait, expliquer, et vous avez aussi le reste des personnes. Donc là maintenant on va partir un petit peu sur le reste, la finition du CSS, c'est-à-dire que là on va vraiment dire ben voilà, ici on va le réduire. Le texte, on va le mettre en plus petit parce que vous voyez, ça prend quand même pas mal de place. Comme ici, regardez là, vous voyez, c'est tout petit par rapport à ce qu'il y avait. Et on va finir, voilà, mettre ici un noir un peu plus clair, un peu plus de surveillance. Et je pense, je sais pas si le texte c'est pareil. Ouais, le texte, vous voyez, est légèrement plus petit, si j'ai pas de bêtises. Je voudrais bien voilà, voir s'il n'y avait pas le voilà, un i. Ouais, il est légèrement plus petit, je pense. Donc c'est pareil, on va le réduire légèrement aussi pour gagner beaucoup d'espace. Donc voilà, donc là vous voyez avant, si vous avez vu à quoi ça ressemblait, vous voyez que ça ressemble déjà à quelque chose de beaucoup plus agréable, c'est-à-dire que si je viens ici me connecter avec un utilisateur, hop, donc ouais, si j'en ai encore un, mais je ne sais plus si j'en ai encore un de toute façon là-dedans. Ouais, si j'en ai encore un. Donc vous voyez, en fait, on avait ce système de messagerie vraiment pas terrible. Donc c'est-à-dire que si je viens ici, j'ajoute la personne. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemblait par rapport à avant. Hop, on était sur DB Projet, je pense, certainement, ou Projet 1. Bon, je ne sais plus. Je vais voir ce qu'il y avait. Hop, il doit y avoir une nouvelle relation. On va mettre deux, par exemple. Hop, allez. Je viens ici, on va voir. Non, c'est pas ici. Donc celui-là par exemple, donc non, on était sur projet 1. Non plus. Bon, je ne sais pas sur laquelle on était, donc on devait être sur un projet à l'intérieur, un vieux truc voilà, qui existait quoi, bon, qui fonctionnait, la preuve, mais je ne sais plus lequel. Je pensais que c'était celui-là, voilà, celui-ci que j'avais fait la demande et qu'on aurait vu. Alors à moins que voilà, donc on peut discuter. Donc je refais, tac tac tac, ok, j'envoie. Bon, peu importe, mais vous voyez, en fait on n'avait rien du tout, et là vraiment on se retrouve voilà avec un design d'un seul coup beaucoup plus épuré, beaucoup plus propre. Donc je vais me remettre, hop, sur ici, voilà, beaucoup plus propre, quelque chose voilà qui est quand même largement mieux structuré par rapport à avant. Et donc du coup, en gros, voilà, on a, enfin vous avez votre nouvelle interface. Ici, pareil, on va venir aussi le modifier par la suite, mais là, on est encore ici, on se concentre sur ici, et on va venir modifier le texte qui se trouve ici. Donc, le texte qui est à l'intérieur, vous voyez, bah, moi, ce que je vais pouvoir faire, par exemple, c'est peut-être dire, bah, tiens, je vais mettre un font size 12px, par exemple. Voilà, 12px avec, justement, une couleur. Donc, je vais regarder ce qu'il y a comme couleur. Par exemple, un gris, peut-être, par rapport à celui-ci. Hop. Je vais regarder. Et voilà, on a voilà un gris 4 minutes, ça paraît déjà quand même plutôt agréable. Donc ça, je vais venir l'ajouter dans ma classe que j'ai fait et que j'ai nommé MS Body Date. Donc ça, c'est toute une grosse fonction aussi, pareil, pour afficher en fait 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes, il y a un mois, d'une journée, 2 jours, etc. Donc nous, on était dans le CSS au niveau de la date. Voilà, ici, tac, impeccable. Je viens réactualiser et on a bien effectivement la date qui est en tout petit. Maintenant, on va s'amuser à faire sur les titres. Donc, c'est-à-dire qu'ici, voilà, en fait, j'avais nommé ça title, mais là, je vais mettre title-a.
on va faire les titres, on va faire vraiment voilà, des titres un peu plus propres parce que là, je peux vous avouer que c'est vraiment pas terrible. Donc, on revient ici, on se met sur le titre qui est ici. Voilà, on va ajouter une classe. Ok, classe. Et parce qu'ici, en fait, voilà, si vous voulez cliquer, en fait, c'est pas cliquer. J'aurais pu faire un clic effectivement sur tout l'intégralité. Ce qu'on peut faire aussi, je pense, de suite, s'il faut. Donc, je vais regarder. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va mettre carrément complètement. Donc, on va voir hop, ce que ça va nous donner si je change comme ça ici. Donc, c'est-à-dire que ça va être le body complètement. Je vais prendre. L'intérieur, non, je vais prendre voilà, peut-être tout l'intégralité. Donc je teste, hein, je vous promets rien, je vous dis pas que ça va être nickel d'un seul coup. Voilà, je teste effectivement ici. Voilà, on a jusqu'à non, on a jusque là. Voilà, impeccable, vous voyez, on est bien. Donc là, franchement, vous cliquez, vous tombez directement. C'est-à-dire que vous ne tombez pas sur la personne, etc. C'est vraiment que les conversations. Même si on clique ici, vous voyez, ça sera toujours la conversation. Donc on peut partir sur ce principe-là, ce qui est pas mal. Donc du coup, en ayant fait ça, on va quand même ajouter une classe qu'on va appeler MSG. Oh, par exemple. Voilà. Je viens ici, CSS, je mets tout ici. Clac, clac. Ok, et le texte décoration, je vais mettre que je n'en veux pas. Et pareil pour la couleur par défaut, on va mettre que c'est du noir. Donc je fais la même chose pour MSG-A hover et le focus. Hop, ici, le focus. Donc je vais mettre en couleur black. Voilà, donc là en fait par défaut, vous voyez toutes les couleurs sont devenues en noir. Donc franchement, c'est ce qu'on voulait pour aller beaucoup plus vite. Donc voilà. Et ici, donc là maintenant on est bien, ouais, on est bien. Enfin moi je trouve qu'on est parfaitement, ouais, vraiment moi on est nickel sur ce côté-là. On va réduire ce texte ici. Donc là je pense pas que j'avais fait quelque chose. Donc c'est-à-dire que je vais venir ici. Alors c'est pareil pour là, j'avais pas vu. J'avais fait ça, soit c'est dit plus bonjour. Non, non, dans tous les cas, on a quelque chose. Donc, classe. Classe, classe, classe. Et ici, je vais appeler ça MSG message. Hop, MSG message qu'on va mettre. Tac, 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 plus loin. Ok, bon, j'aurais pu mettre body, ouais. Allez, body. Message. Comme ça, on reste quand même sur la même structure. Hop. Et ici, vous revenez sur, du coup, en fait, une couleur. On va changer la couleur. On va mettre une couleur un peu plus foncée. Donc, on va prendre sur ce genre de gris-ci. Voilà. Hop. Ok. Et pareil, je vais mettre un font size. Peut-être. Alors, je pense que 14px, c'est celui qui est par défaut. Ok. Donc je sais pas si ça a changé quelque chose. Je vais voir si j'enlève. Ouais, si. Vous voyez que ça enlève quelque chose. Donc voilà, là c'est bon. Pour moi, on est parfaitement bon. On a dit lui bonjour. Bah c'est si la personne, voilà, vous avez fait une nouvelle demande d'amitié, on a dit lui bonjour. Bon bien sûr, en fait, ça apparaîtra par la suite. Hop, ici, on va avoir un deuxième petit bouton avec discuter lorsque vous êtes ami avec cette personne. Comme ça sera encore, enfin, ça sera même mieux. Hop, je reviens ici. Et là, bah voilà, on a pour moi, donc il y aura juste le titre ici. Où je vais mettre, donc, je sais plus ce qu'il y a dedans. Donc ici, voilà, on n'a rien du tout. Donc, hop, je vais créer une balise div avec le pseudo. Bon, c'est vrai que du coup, ça n'a plus vraiment d'importance de l'avoir appelé juste en haut div, ici, enfin t-title. Du coup, je peux revoir mettre header, voilà, ou id, tête. Et ici, par contre, ça sera la classe. Effectivement. Alors,
je vais reprendre classe, du coup ce sera la MSG, la body, et ce sera cette fois-ci, non, la title. Voilà, donc la id va remplacer la title. Ok, et hop, je vais mettre ici title, ok, et là on avait dit qu'on allait mettre du coup font size, font weight, donc pour mettre en gras. Voilà, impeccable. Donc du coup, ça y est, pour moi, on est bon. On a vraiment ici quelque chose qui ressemble à une messagerie vraiment propre, fonctionnelle aussi. Alors après, pareil, vous pouvez diminuer, hein, c'est-à-dire que là, j'ai mis peut-être assez grand. Ici, donc je vous montre. Tac, 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 tac. Là, le margin, vous en aurez, vous, pas besoin. Là, par exemple, vous pouvez mettre 2. Ici, 8. Ça ferait un 8, donc ça fait 10, 11, 12. Ok. Voilà, donc ça donnera soit ça. Soit si vous aimez pas, voilà, vous pouvez mettre 1, 10. Comme ça donne une messagerie. Voilà, ça vous centre un peu plus si vous voulez pour vous l'information. Après, bien sûr, quand vous allez voir sur téléphone ou sur tablette, vous voyez, hop, toutes les informations sont correctement mises. Voilà. Donc voilà, sur ce, bah, on a fini pour moi. Ouais, on a fini pour moi. Voilà. Après, j'avais dit juste, voilà, peut-être le hover à mettre ici. C'est-à-dire que ici je vais mettre un hover complet pour donc c'est-à-dire ici voilà à ce niveau-là message body on va changer le hover donc on peut faire ça alors voilà ça va être les dernières choses donc là c'était body tac tac donc on va pouvoir faire un background par exemple alors avec ma variable rouge. Vous voyez, hop, on a ça qui est déjà vraiment pas mal. Donc là, vous voyez bien, on a bien vraiment ce qu'il faut. Alors après, on pourra mettre ici en blanc, blanc, blanc aussi, par exemple. On peut mettre avec un petit jeu d'ombre. Donc, box shadow. On va mettre un jeu d'ombre un petit peu, voilà, 5, 5 px. 5px RGBA, donc on va partir sur des couleurs sombres et on va partir sur 4 par exemple. Je réactualise. Donc là, vous voyez, j'ai bien en fait le petit jeu d'ombre qui est ici. Là, c'est parce qu'en fait tout le reste est collé, donc forcément, on ne voit pas, peut-être pas le jeu d'ombre. J'aurais dû faire peut-être un jeu d'ombre inverse, justement, mais ou non, on fait pas de jeu d'ombre, on va pas faire de jeu d'ombre. On va faire comme ça. Hop, je reviens. Voilà. Et on va venir changer toutes les couleurs. Donc c'est-à-dire que lorsque j'ai ça, voilà, je vais vous montrer color. Donc là, on prend sur toujours ST White. Donc vous allez voir en fait le CSS, voilà, on peut vraiment faire pas mal de choses. Hein. De toute façon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, sur le titre, vous allez mettre ça juste à côté. Et voilà, vous voyez, d'un seul coup, mon titre a changé de couleur. Il est bien en blanc. Pareil, maintenant, on va faire pour le texte. Donc là, vous pouvez faire virgule, par exemple. Et pour le texte, donc on avait fait, c'était body message. Hop. Donc là, il faut enlever la virgule ici. Et là, vous voyez, hop, pareil, le texte se fait. Et la même chose si vous voulez faire pour la date. Donc je fais ça. Enfin, j'ai oublié ici, voilà, ce qui m'intéresse là. Hop. Et ici, c'était la date qui était là. Tac, 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 tac. Et voilà, vous voyez d'un seul coup que la date s'est fait. Donc, pour avoir un petit peu quelque chose quand même d'assez cool, on l'a déjà vu juste avant. On va utiliser une transition qui va agir sur tous les éléments avec 5. Et vous allez utiliser un is uniquement. Vous allez mettre ça sur le body ici. Donc transition, bon bien sûr faut mettre le point virgule. Et là, hop, voilà, vous voyez, ça se fait tout doucement. Voilà. Là, vous avez vraiment quelque chose. Donc là, vous voyez, c'est presque. Ça peut être plus lent. Hein. Ça peut être voilà. Ça peut être 1 seconde, par exemple. Ça peut être très rapide aussi. Vous voyez, ça vous montre bien comment ça réagit. Là, on va peut-être mettre 0,2 secondes.
Voilà. C'est pas pour que ça fasse tac directement, c'est pour que ça fasse un effet un petit peu plus, si vous voulez, voilà, plus doux. Et après, là, vous venez changer. Hein. Là, je mets tout, voilà, comme ça, en blanc, etc. pour marquer votre sélection. Mais après, c'est à vous de changer. Hein. Si vous aimez pas, vous pouvez changer. Mais voilà, sur ce, bah, voilà, on a fini. Peut-être je laisserai ça, peut-être je verrai quand même pour une autre couleur, ça paraît quand même un petit peu plus grossier cette chose-là. Donc je vais peut-être changer, mettre une autre couleur, mais au moins je vous ai montré jusqu'au bout, voilà ce que vous pouvez faire. Et bien sûr, vous pouvez regarder le code ici, voir comment j'ai fait. Et voilà. Donc moi sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions sur mon site ou dans l'espace des commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!